On va maintenant passer à une autre intervention à vocation introductive de cette journée, sur la thématique de cette journée, avec une présentation cette fois-ci des résultats du baromètre cancer 2021, donc qui est une enquête sur les perceptions des Français et des Françaises vis-à-vis des cancers et aussi vis-à-vis des facteurs de risque de cancer. Et dans la dernière édition du baromètre cancer, donc 2021, qui a été publié il y a quelques semaines, au mois de février, on a trois chapitres qui concernent la thématique des substances addictives, le tabac, l'alcool et la cigarette électronique. C'était la première fois que la cigarette électronique était inclue dans cette étude. Et donc, je vais inviter Jérôme Foucault, responsable du département recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique à l'Institut national du cancer, à me rejoindre au pupitre. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je viens donc d'être présenté. Donc Jérôme Foucault du département sciences humaines, sociales, épidémiologie et santé publique. Je me réjouis vraiment de l'organisation de cette journée, de ce colloque en partenariat avec l'IRESP. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait co-construire quelque chose ensemble dans cette dynamique et je m'en réjouis. Je suis également très content de cette journée-là parce que pour vous ayez à peu près une idée, c'est la 30e en 4 ans, c'est le 30e événement qu'on organise en 4 ans dans ce département, donc c'est dire son dynamisme. Et je tenais vraiment à remercier toute mon équipe pour cet énorme travail en termes d'animation, de diffusion des connaissances, de mobilisation, de création d'espaces d'échange et de discussion qui pour moi sont extrêmement importants et qui sont très très largement repris par l'équipe. Et je tenais notamment à saluer le travail de Colline qui a été la cheville ouvrière de cette journée en partenariat avec les collègues de l'IRESP. Alors pour cette présentation, je me fais le porte-parole de toute une équipe pour vous présenter les résultats du baromètre cancer. Comme vous le voyez, il n'y a pas de nom sur la présentation parce qu'en fait, ça aurait rempli toute la page, tellement qu'il y a de personnes qui ont contribué à ce baromètre cancer. Et pourquoi on en aurait mis certains plutôt que d'autres? On n'a mis personne, juste Santé publique et l'Institut national du cancer. Donc je vais vous présenter des résultats du baromètre cancer 2021, qu'on a un petit peu retravaillé pour vous donner des éléments sur la thématique de cette journée qui concernait à la fois les substances psychoactives et à la fois les jeunes. Donc sur la deuxième diapositive, vous allez pouvoir voir quelques petits éléments. Voilà, c'est la 4e édition du baromètre cancer. Baromètre cancer, c'est quoi? C'est une étude en population générale qui est conduite toutes les 5 ans en collaboration avec Santé publique France et qui a pour objectif d'analyser les perceptions, les croyances, les représentations de la population française sur les questions des facteurs de risque de cancer, du cancer en général, des croyances sur le cancer et également sur le dépistage. C'est quoi l'objectif? Ben, c'est d'avoir en fait une photo à un instant T de ses perceptions, de ses croyances, également pouvoir analyser l'évolution, c'est-à-dire ces mesures répétées. L'intérêt, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure ça bouge, dans quelle mesure ça évolue, et on y verra. Bien sûr aussi, documenter la question des inégalités, des différences, c'est ce que présentait tout à l'heure Olivier, comment en fait on peut trouver des différences en termes de certains groupes. Ce que je vous ai dit, 8 thématiques, donc on ne va pas toutes les présenter, Colline vous l'a dit, on va s'intéresser à différents éléments, tabac, alcool et cigarettes électroniques. Cigarettes électroniques et cancer, bien évidemment, il n'y a pas encore d'éléments là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que pensent les gens. C'est ça qui nous intéresse fondamentalement ici. Alors, sur la diapositive 3, quelques éléments en termes de méthode. Donc, c'est une étude en population générale, comme je vous l'ai dit. C'est une enquête téléphonique qui est réalisée sur la France hexagonale. On n'a pas de données sur les territoires ultramarins. Ça nécessite d'être souligné ici. Un échantillon d'environ 5000 personnes. Et c'est un baromètre un petit peu particulier par rapport aux autres baromètres qui sont notamment pilotés par Santé publique France sur les baromètres santé, parce que nous avons gardé la population 15-18 qui n'existe pas en fait à l'heure actuelle dans les baromètres santé qui commencent en fait, qui est, je crois, 18-75 si mes souvenirs sont bons, ça a été resserré. En termes de méthode, on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'il va falloir l'autorisation parentale, vous êtes obligé en fait d'investiguer beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et nous avons ici en fait 14% de l'échantillon qui concerne les 15-25 ans. Donc on va présenter des données du baromètre cancer 2021 et aussi quelques éléments qui sont en comparaison avec d'autres années. Un terrain réalisé de avril à juillet 2022. Les analyses, je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors on va vous parler du tabac et sur le tabac, en fait, on va
on va présenter quelques éléments. Notre idée, hein, c'était surtout de vous donner envie d'aller lire le baromètre cancer qui est à votre disposition. Donc, on ne va pas tout présenter. On est plutôt dans un travail pour essayer de poser des éléments de discussion. Et puis, je pense que vous pourrez aller le consulter. Il est à disposition. Donc, sur la diapositive 4, c'était sur le tabac. On va pouvoir passer directement à la diapositive 5. On complémente ce qui a été proposé par Olivier. Nous, on s'intéressait à finalement quelle est la perception du seuil de dangerosité, c'est-à-dire comment les gens perçoivent le tabac comme dangereux, à partir de quel seuil. On a fait ce travail notamment avec Santé publique France, et donc on va vous présenter les chiffres qui sont proposés ici. Donc comme vous le voyez, les chiffres que je vous présente ici ne concernent que les fumeurs. Donc ce n'est pas sur la population générale, c'est uniquement sur les fumeurs, et les fumeurs vont considérer... Chez les 15-24 ans, vous avez à peu près un tiers qui va vous dire que c'est à partir d'une cigarette qu'on commence à avoir un risque. Il y en a un quart qui vont considérer que c'est de 2 à 9 cigarettes par jour. 20% que c'est aux alentours de 10 à 19 cigarettes par jour. Vous voyez, quand vous les comparez en fait avec les autres tranches d'âge, on voit qu'il y a quand même des différences de répartition qui sont assez importantes. Et on va s'apercevoir que c'est peut-être les 25-34 ans qui, eux, vont considérer que le risque, il existe. Presque 50% hein, dès la première cigarette. Si vous vous intéressez à finalement le nombre de cigarettes moyen, c'est-à-dire que là, on l'a calculé sur un nombre de cigarettes moyen, et on regarde finalement comment en fait ça va évoluer. On va s'apercevoir qu'en ce qui concerne le nombre de cigarettes moyen, il était de 12,5 pour les 15-24 ans en 2015, et on voit qu'il a chuté. On voit qu'il a chuté quand même de façon significative de plusieurs points. Et vous voyez, vous pouvez le mettre en fait en parallèle avec les autres tranches d'âge. Et on voit là encore que les 25-34 ans sont ceux aussi sur lesquels il y a eu une baisse qui a été relativement importante. Et on est sur un nombre de cigarettes moyen à 6,4 ici. Sur l'autre diapositive, en fait, je peux me gérer tout seul. Je n'avais pas compris. Excusez-moi. je suis navré. En ce qui concerne la durée perçue, ça c'est un autre élément qui est extrêmement important, c'est-à-dire entre le nombre de cigarettes et la durée du tabagisme. Là encore, en fait, on va interroger sur les personnes, sur les fumeurs, et on va s'apercevoir que sur cette population de 15-24 ans, c'est sans doute dû aussi à leur âge, ils vont considérer que c'est entre 1 et 9 ans qu'on commence en fait à avoir un risque important. En dessous de là, en fait, le risque est sans doute assez peu important, 24% sur 10-19 ans. Et vous en allez avoir quand même 10% qui vont vous dire que c'est aux alentours de 20 à 30 ans environ. Quand on s'intéresse cette fois-ci à la durée moyenne, elle était de 12,7 sur 2015 et elle a chuté à 8,5. Donc on est sur un chiffre à peu près équivalent à l'autre. Hein. On ne s'est pas trompé dans les chiffres, on a bien vérifié. C'est bien ça. Et en fait, on va s'apercevoir que voilà, c'est ceux qui finalement sur cette population d'âge vont être quelque chose qui va être le plus bas. Après, quand on s'intéresse à la question de finalement comment en fait les personnes se positionnent par rapport à leur propre consommation, en d'autres termes, quelle est ma consommation moyenne par rapport à celle que j'estime comme étant problématique? Et là, on va s'apercevoir que c'est les 18-24 ans qui, finalement, sont les plus nombreux à considérer leur propre pratique comme étant peu risquée. Avec des chiffres, ça donne quoi? Ben, ça va donner qu'en fait, ils annoncent un chiffre de 8,7 de nombre de cigarettes qui commencent à être problématiques et comme facteur de risque de cancer, alors que leur consommation est de 5,3. C'est-à-dire qu'ils vont mettre quelque chose qui est bien au-dessus de leur consommation, pour ainsi se mettre un petit peu à distance du risque. C'est-à-dire, oui, le risque existe, mais moi, mon propre comportement, finalement, ne l'est pas tant que ça, parce qu'il est en dessous de celui que j'ai déclaré. Voilà sur le tabac. Après, quand on s'intéresse aux opinions, parce que le baromètre cancer, bien sûr, c'est la question des opinions, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des différences assez importantes en matière de classe d'âge, c'est-à-dire que les différences seront toutes significatives en matière de classe d'âge. Donc là, on n'a présenté que des qui deux. Bien évidemment, c'est des investigations qu'on est en train de conduire avec des régressions logistiques pour avoir des choses un petit peu plus fines sur ces classes d'âge-là. Donc là, avant que Colline me réprimande, je vais avancer rapidement. En ce qui concerne les solutions efficaces, on a posé ces questions-là auprès de la totalité de notre échantillon. On a regardé en fait ce que ça donnait
au niveau des classes d'âge. Là encore, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des différences assez intéressantes. Peut-être on voudrait souligner pour vous que les 15-24 ans sont ceux qui adhèrent le moins à l'idée qu'il est important de faire respecter l'interdiction de la vente aux mineurs. Bon, c'est tout assez logique si jamais ils sont dans cette pratique-là, si vous les comparez après avec les autres, et qui considèrent que finalement, les solutions efficaces, c'est de ne pas fumer dans les films. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez haut et qui se retrouve assez proche de ce qu'on va retrouver sur les sujets qui sont beaucoup plus âgés, qui est assez proche aussi de ce qu'on va retrouver sur la catégorie des 25-34 ans. Voilà là-dessus. Alors maintenant, on va passer sur l'alcool. Sur l'alcool, on va aller peut-être un petit peu plus vite. On va repartir sur d'autres éléments qui sont un petit peu complémentaires à ce que proposait en fait Olivier sur alcool, nocivité, ce qu'en pensent les jeunes, et peut-être en propos liminaire, quelques éléments sur ces consommations, sur les consommations quotidiennes. Attention, sur quelque chose qui est beaucoup moins fin qu'à se présenter Olivier, parce que là, on est sur du 15... je ne sais pas pourquoi c'est passé de 15 à 34. Bon, il doit y avoir juste une erreur là-dessus. Et on était quand même, en termes de consommateurs quotidiens, à 1,30, ce qui est quand même relativement... ce qui n'est pas négligeable, notamment quand on sait l'impact que peut avoir la consommation d'alcool sur le cerveau. Les travaux de Borst l'ont montré. Là encore, on s'est posé la question de savoir quelle est la perception des jeunes par rapport à la population générale. Donc, ce que vous voyez en fait sur le graphique, c'est qu'en bâton, vous avez les 15-24 ans qui ont répondu et vous avez en fait le graphique qui correspond en fait, la courbe qui correspond à ce que pensent les autres, c'est-à-dire finalement, quelles sont les différences qu'il va pouvoir y avoir entre les jeunes, les 15-24 ans et les autres. Donc, on va s'apercevoir que ça suit une courbe à peu près identique. On va s'apercevoir que ce n'est pas si dissident que ça sur des assertions qui ont été proposées. Par exemple, globalement, on peut boire un peu de... Globalement, boire un peu de vin diminue le risque de cancer plutôt que de ne pas en boire du tout. Je vous rappelle bien évidemment que c'est faux. Hein. Oui, c'est faux. Hein. On est tout à fait d'accord. Non, mais je préfère le répéter, c'est enregistré. Je ne souhaitais pas qu'on dise le gars de l'Inca dit non, c'est complètement faux, je le précise. 24% de la population française, un quart de la population française pense encore ça. C'est quand même beaucoup plus marqué chez les sujets âgés. Les jeunes le pensent peut-être un petit peu moins. Les éléments qui vont être relativement saillants et la différence qu'on va trouver de façon un petit peu plus importante, c'est boire un verre d'alcool par jour augmente le risque de développer un cancer. Là, on va voir que cette tranche d'âge est beaucoup plus sensibilisée à cette idée-là par rapport aux autres et qu'il va y avoir quand même en fait une espèce de mise à distance parce que c'est quand même eux qui vont être les plus hauts sur cette question de dire finalement boire de l'alcool, c'est problématique si on boit beaucoup, si on boit longtemps, c'est-à-dire si on est excessif. Et on voit très régulièrement que finalement, il va y avoir cette espèce de mise à distance, de minimisation dans les perceptions qu'ils en ont en disant oui. C'est sans doute problématique, mais finalement, moi, mon propre comportement, mon propre usage, ma propre pratique, finalement, ne l'est pas. C'est-à-dire, pour les autres, c'est un problème, et moi, je fais attention. Donc, du coup, c'est un petit peu différent. Et on le voyait tout à l'heure, notamment avec le tabac, comment je vais mettre des éléments de tout ce que je propose. Alors, en ce qui concerne, là encore, les éléments qu'on a proposés sur, finalement, c'est quoi vos idées pour essayer de réduire la consommation d'alcool en France. Vous allez avoir en jaune les 15-24 ans et le reste des populations qui vont être donc en bleu marine. Donc là, on va s'apercevoir que faire respecter la vente d'alcool aux mineurs, on va avoir une différence qui est assez importante. Bien évidemment, ils supportent moins cette idée. Ils ne pensent pas que ça serait la stratégie la plus intéressante. Par contre, améliorer l'accompagnement des individus, pour eux, c'est plus important. Augmenter le prix de l'alcool, curieusement, et interdire la vente d'alcool, curieusement aussi. Donc, on voit qu'ils sont quand même un petit peu plus restrictifs que les autres parties de la population. En lien avec ce qu'a proposé Olivier, donc la cigarette électronique, ce que vous a dit Colline, c'est la première fois que la cigarette électronique est investiguée dans le baromètre cancer. Pour nous, c'était très important de pouvoir réaliser cette étude sur le baromètre cancer. On ne va pas vous présenter toutes les données que l'on a sur la cigarette électronique parce qu'il y en avait beaucoup et on était limité. Mais juste vous dire que sur cette partie du travail qui a été réalisé, c'est la première fois qu'on va voir en Europe, une étude qui va investiguer aussi finement les perceptions, c'est-à-dire les perceptions, notamment par rapport à l'impact qu'il va pouvoir y avoir. Donc là, on va vous présenter juste quelques éléments.
Globalement, on est tout à fait raccord avec ce qui a été proposé, c'est-à-dire que nous, il apparaîtrait dans notre étude que finalement, on aurait 7,5% de la population française, tout confondu, qui serait des current users, c'est-à-dire des utilisateurs réguliers, pas quotidiens, de la cigarette électronique. Quand on s'intéresse à qui a essayé la cigarette électronique, ce n'est pas affiché ici, c'est ce que vous a dit Norbert Ifra, et je voulais vraiment revenir sur ce chiffre qui est très important. Vous avez 10% des non-fumeurs, 10% des personnes qui n'ont jamais fumé, qui ont essayé la cigarette électronique. Et bien évidemment, la majeure partie de ces personnes-là ont moins de 25 ans. 65% de ces personnes-là ont moins de 25 ans. Donc se pose ici la question que vous avez en background ici. Est-ce que la cigarette électronique est un dispositif pour rentrer ou pour sortir de l'addiction ? Je n'ai pas la réponse, mais il va falloir garder la question en tête. Et je pense que les chiffres d'Olivier posent vraiment cette question-là. Les études américaines posent cette question-là. Bref, on revient sur le graphique. On leur a posé la question de savoir s'ils considéraient la cigarette électronique comme plus toxique ou aussi nocive que la cigarette traditionnelle. Et on va s'apercevoir que... Ils sont 52% à la considérer moins nocive, 35% à la considérer aussi nocive et 11,6% à la considérer plus nocive. C'est très différent de ce que propose la population générale. C'est-à-dire quand vous sommez la totalité, on ne va pas se retrouver avec ces chiffres-là, ils sont environ plus de 50% à la considérer plus ou aussi nocive. C'est-à-dire que les 15-24 ans ont quand même une appréhension un petit peu plus claire de cet impact de la cigarette électronique par rapport à la cigarette traditionnelle. Je n'ai pas dit que la cigarette électronique n'avait pas d'impact sur la santé. J'ai juste dit qu'elle était moins toxique que la cigarette traditionnelle en l'état des connaissances que nous avons à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'impact sur la santé, ils sont 21% à considérer qu'il y a un impact faible ou qu'il est très très léger, 44% à considérer que oui, il y a plutôt un impact et que l'impact sur la santé est extrêmement important. Quand on fait des régressions logistiques multinomiales pour essayer de voir si finalement on ne va pas avoir des différences en termes d'âge, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une différence des 15-24 ans par rapport aux 55-75 ans qui ont plus tendance à la considérer comme nocive sur la santé. Et on ne va pas trouver en fait de différence en ce qui concerne les classes d'âge sur la perception en ce qui concerne la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique. En ce qui concerne la perception de la nocivité, en ce qui concerne la nicotine et les arômes qu'on a pu investiguer dans ce travail-là, c'est-à-dire est-ce qu'ils considèrent la nicotine et les arômes qui sont contenus dans la cigarette électronique comme nocifs, la nicotine, pas du tout ou légèrement, plutôt nocive, et 46,8% vont la considérer comme extrêmement nocive. Et en ce qui concerne les arômes, on va se retrouver avec une distribution qui est un petit peu différente, voilà, plutôt en tiers. Comme vous le voyez ici. Et là, en ce qui concerne l'impact de l'âge sur ces perceptions-là, on va s'apercevoir que les 15-24 ans ont plus tendance à considérer la nicotine qui est dans les cigarettes comme nocive sur la santé que les plus de 55 ans. Par contre, on ne va pas avoir de différence sur les arômes en ce qui concerne ces éléments-là. Donc, pour conclure, des jeunes fumeurs qui se distancient particulièrement du risque lié à leur propre pratique. Donc, on voit en fait comment il va y avoir cette mise à distance. Une mise à distance également des jeunes par rapport également à l'alcool et une perception donc plutôt nocive de la e-cigarette et notamment de la nicotine qui peut être contenue. On a des éléments sur le cancer aussi. Et là, on va s'apercevoir que la perception de la e-cigarette sur l'apparition d'un cancer est assez prégnante en fait dans cette population-là. Elle est plus marquée que sur les autres populations. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Jérôme. On va prendre deux questions pour toi. Une première en ligne. Peut-être là pour faire suite à ce que tu viens de mentionner sur le lien avec le risque de cancer que tu as commencé à évoquer. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un petit peu plus comment les jeunes perçoivent ce risque vis-à-vis de leur consommation
Là, tu as commencé sur e-cigarettes, sur tabac, alcool peut-être. Est-ce que tu as des données? Alors, en fait, sur, on les a interrogés sur la question est-ce qu'ils pensent que la cigarette électronique est un facteur de risque de cancer? Et en fait, on va s'apercevoir que c'était à peu près toute population confondue. On était aux alentours d'environ 80% de la population qui pense que ça peut être un facteur de risque de cancer. Et en fait, quand on regardait les différences qu'il pouvait y avoir entre les différentes tranches d'âge, on s'apercevait que c'était particulièrement marqué, en fait, sur cette population-là. Et ce qui est assez intéressant, parce que, comme l'a montré tout à l'heure, en fait, Olivier, on voit qu'en fait, ils perçoivent la cigarette électronique comme notamment cancérigène, mais ça ne veut pas dire que ça va finalement freiner en fait la consommation, le développement de la consommation, parce que de façon unanime au niveau mondial, tout le monde est en train de voir monter cette consommation et cet usage de la cigarette électronique. Donc on voit en fait qu'il y aura peut-être des éléments exactement comme on le montre sur tabac. Oui, c'est problématique, mais que si on l'utilise beaucoup. Vous voyez un petit peu cette idée qu'on retrouve un petit peu partout. C'est pas... Alors après, c'est aussi cohérent avec des politiques qu'il y a eu pendant très très longtemps, qui étaient des politiques de réduction et pas des politiques de risque. Et en fait, ce n'était pas si grave que ça si on fume, si on fume pas beaucoup. À l'époque, hein, là aussi, pour ceux qui prennent en cours de route, il faut remettre dans son contexte, bien évidemment. Eh bien, peut-être deuxième et dernière question. Est-ce que dans le baromètre ont été observées des différences selon le genre? Alors oui, il y a des différences selon le genre. Alors les différences selon le genre les plus importantes qu'on va retrouver, ça va être bien sûr sur alcool. Mais si vous avez plus de questions à poser sur alcool, la responsable se cache derrière ici. Elle s'appelle Anne Fleur. C'est elle qui a coordonné le chapitre sur alcool cette année avec les collègues de Santé publique France. Et en effet, on va s'apercevoir, mais c'est tout à fait cohérent avec ce que proposait tout à l'heure Olivier. C'est-à-dire les différences sont assez marquées sur la consommation du tabac et l'alcool. C'est plus marqué chez les garçons que chez les filles. En ce qui concerne e-cigarettes, je ne sais pas si on a regardé, je crois que vous aviez regardé, c'est plus marqué chez les filles, c'est ça Olivier? C'est pareil. Ok, parce que je crois que j'ai vu une étude américaine où c'était plus marqué chez les filles. Et je m'étais... Oui, mais c'était plus important chez les filles, mais peut-être que je me mélange avec autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jérôme.